Alors bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le 7ème épisode, il me semble, de Tomb Raider. Donc on était dans les bidonvilles, on avait tué un peu tout le monde. On était en train de camper, d'ailleurs un point de compétence. Voilà, on va mettre... Niveau de compétence vétéran. Ah, pas mal, pas mal. Je peux utiliser mon piolet pendant les combats. Donc voilà, donc du coup il fallait qu'on essaye de passer la porte là-bas, il me semble. Bon, je sais pas du tout comment on va faire. On va passer par là. Donc voilà, c'est des fifous. Voilà, excusez-moi pour le message. On peut pas prévoir toutes ces choses-là. Hop. Alors... Pas mal. Je sais pas du tout où c'est là. Je suis un peu paumée. Je sais pas si vous avez vu, mais le skin de Lara a changé. Alors, en fait, j'ai acheté un pack où il y avait plein de tenues. Et du coup, j'ai pris celui-là qui est plein de boue. C'est très, très élégant. Mais voilà. Ah. Non. Ils font chier un peu. Oh putain. Non, non, mais casse-toi, connard. Non, non, non. Vas-y. Mais non, mais t'avais pas rechargé, connasse, putain, tu fais chier. Voilà, merci. Mais putain, j'ai plus rien. Il me fait chier lui. J'ai plus de balles. J'ai plus de balles. Non mais ok ta mère hein. Mais casse toi toi. Je t'ai rien demandé. J'ai plus de balles. Il est où l'autre? Mais ok, je t'ai dit de la fermer, toi. Toi, tu vas voir. Oh, c'est pas possible. J'ai plus rien. Plus de balles, plus rien. J'étais à la dèche. Bon, bah, c'est bien. L'épisode commence avec. De l'action. Bon, par contre, du coup, maintenant, comment on fait? C'est bloqué. Ouais. J'ai entendu un cochon, on est d'accord. C'est le « et », il me semble.
Ça marche pas. Hop. Ok. Appuyez les enfants sur E pour choisir un type. Voilà. Je pensais que j'avais déjà mis en fait. Mais non. Normalement ça devrait marcher. Il me fait chier lui. Il veut venir avec moi en fait, c'est mon nouvel ami. On va l'appeler comment? On va l'appeler Michel. Michel, le sanglier. Il est où? Il est parti. Infiltrer le palais. Attendez, je vais au cannes, s'il vous plaît. Oh, moi, je vais améliorer mon arc. Et le fusil, ça c'est bien le fusil. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Il faut que je passe par là. Ça pue. Mais alors, quand t'as pas le choix et que t'as pas de sous, Lara, tu veux faire quoi Après les hommes. Oh mon dieu, c'est Grimm. Ah, 2 minutes, je prends les munitions là. En fait, je peux pas trop. Ramène tes fesses par ici. Liquide-la. Faites la compagnie. Lara, ouvre la dynamite. Étrangère, abandonne. Pas question, salopard. Putain, j'aime pas ça, c'est trop ch... Quel bug. Toi, je t'ai dit au revoir. Déjà, comment ça se fait qu'il arrive à se barrer du feu? Oh, bah, t'inquiète, j'en ai plein d'armes. Ah, ça va déjà un peu mieux là parce qu'il commence à me... il commence à me saouler. Oh mais ok ta mère quoi. Oh, lui m'énerve. Non, pas de renfort. J'ai dit non. Ah. Oh, c'est comment qu'il s'appelle, Grimms? Ils sont enfermés à l'intérieur. Mais chez où? Monte ici et on ira les chercher ensemble. Je ne peux pas grimper d'ici. Ah, bordel. Attends, ils utilisent une espèce de système pour hisser des objets. Tu peux peut-être t'en servir toi aussi pour passer de l'autre côté. D'accord. Merci. J'ai essayé. En fait, j'ai vraiment pas le choix là.
Attendez. Ok. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Mais putain! Pour le club. Et 2 minutes! Il est chiant lui aussi. Voilà. Merci. C'est où c'est par là? Bonsoir, lui, il a un peu la jambe n'importe comment. Comment je passe, sérieux? Il est marrant lui. T'es les malins. Ah là, ici. Eh oui! Que je suis bête. Pourquoi j'entends encore un cochon là? Il y a des poules en bas. Hop. Ok. Donc. Faut rejoindre là-bas. Merde. Mec, tu vas pas me faire chier. Hop, merde. Oh, au lieu de l'utiliser, elle l'enlève. Sois pas deg. Mec. Mais lui, il meurt jamais ou quoi? Ah, il s'est passé quoi là? On est d'accord, il... Toi, j'ai plus rien. Faut vraiment que je les pille, hein. Chaque fois j'ai plus rien. Merci. Voilà, faut que j'aille où? Bah ben voilà, c'était facile à peu près. Tu es là? C'est un piège, Lara. Vas-y, ma fille. Montre-le à maman. Oh non. Moi, je vais tranquille, hein. Alors là. Bon, ça me saoule d'attendre. Allez, crève-toi.
merde. Ta mère. Oh putain. Ouais, j'ai plus rien. C'est bien ça. Mais putain, mais c'est pas possible. Putain. Putain, cache-toi. La musique elle s'arrête, c'est fini ou quoi? Ah ouais. Lâche tes armes ou on tue ton ami. Les écoute pas, Lara. Ok. Tu me fais pas peur. J'ai grandi à Glasgow, moi. Allez, liquidez-moi tout ça. Ah ouais, il est badass le papy là. Ah mais non, en fait, non. Merde, il est mort. Merde. Je rigole, mais j'aimerais pas que ça m'arrive en fait. T'inquiète. On est trop fort, nous. Je dois sauver Sam. Et je dois rejoindre les autres aussi. Je dois sauver tout le monde en fait. Je sais même pas s'il faut que j'aille là. Ouais, bon. En gros, c'est là-bas quoi. Oh non, putain. Non. Il est nul à l'arc. Il y a un petit lag. Allez. Par contre, c'est qui? Ça vient d'où la flèche? Ouvre, Lara. Tu peux grimper maintenant. C'est Rose. Yeah, Ross. Oui. Grimm est mort. Ils ont essayé de l'utiliser pour m'obliger à me rendre, mais il a préféré se sacrifier. Grimm. Foutue tête de mule. Je suis désolée, Ross. Non, ce n'est pas de ta faute. On ne l'oubliera pas. On trinquera à sa mémoire dès qu'on sera rentré chez nous.
Je vais essayer de me rapprocher. Tu crois que tu pourras me couvrir ? Oui. J'ai une vue dégagée sur tout le pont jusqu'au mur du palais. Ok. Yes ! J'aurais pas besoin de les tuer alors. Ici hélicoptère de sauvetage November 888 Romeo Charlie répondant au SOS émis par l'avion cargo Trinity. Ici Conrad Ross de l'Endurance. Vous me recevez ? Lara, t'as entendu ça ? Un hélicoptère de sauvetage est en route. C'est génial, Ross. Envoie un signal. Je vais chercher Sam et les autres. Mais Lara, je devrais peut-être. Ce n'est pas comme pour le pilote, Ross. Sam et les autres sont là par ma faute. Je vais les chercher. Voilà. Par contre, c'est où du coup? Ah, c'est pas. Ah, c'est là, bientôt là, le palais. J'aime bien comment elle marche comme ça, c'est marrant. Pas chassé. Allez! Attention, Lara. Ce pont grouille de garde. Super. Il est où, Ross, en fait? Ça va pas être facile. Tu peux sûrement traverser par en dessous. Et peut-être c'est là. Exactement ce que je craignais d'entendre. Ne t'en fais pas. Je te couvrirai. Compte sur moi. Bon, je pensais que c'était du matériau, ça, mais non. Dans mon viseur. On y va. Je compte sur toi, Ross. Allez, Lara. Ah, c'est pas. Tu crois qu'ils ont eu la fille ? T'en fais pas. Si c'est pas le cas, elle viendra à nous. Le père Mathias nous enverra chez Léonie si on la trouve pas. Seulement si on échoue. Et ça n'arrive pas. J'ai bien cru t'avoir perdu. Tu vas bien ? C'est pas passé loin. Stop ! Ne bouge plus ! Ah. Ils vont te voir ! Vas-y, maintenant ! Stop ! Attends ! Je l'ai presque. Il est trop fort, Ross. Il est tellement fort. Attends, attends. Lara, la voie est libre. Merci de m'avoir couvert, Ross. Je crois qu'on est quitte. Lara, attention! Et lui faire la peau! Sors de là! Putain, j'ai eu chaud. Lara, ils sont trop nombreux, ne reste pas là. Je me fais défoncer de partout, normal. Non. Bon. Ils sont trop nombreux, ne reste pas là. Au pire, on se retrouvera pour la prochaine fois pour savoir ce qui va se passer. Par contre, ouais, je vais me faire défoncer en fait. Je vais couper cet épisode là parce qu'il commence déjà à devenir long. Donc voilà, et on se retrouvera pour la prochaine fois pour le 8e épisode. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis à bientôt. Bye bye.